Ah ok. Bon. On est en... On est en mai. Presque, non, pas encore, mais presque. Aberrant. Aberrant. C'est parti, c'est parti. C'est parti pour le week-end en amoureux sous le soleil. Non, en vrai, on filme la route, il y a plein de neige. Waouh, un temps vraiment. On doit partir dans un week-end en amoureux. Bon, c'est pas là, là c'est vers chez nous, donc forcément... C'est voilà. Dégueulasse. Voilà, on habite en montagne, c'est neige. Mais je comprends pas trop, genre, bientôt, en jouant, on aura de la neige. Ça fait que 2 ans qu'on habite ici, donc voilà. Mais qu'il y a de la neige actuellement, dites-moi. Mais ça commence à tenir sur la route, là, ça commence ça, à être... Ça, c'est pas ouf, ça. Bon, on vous explique, on part en week-end en amoureux. C'est un week-end qui nous a été offert par notre famille. Pour nos 25 ans. Donc, bah, pas encore 25 ans, moi j'ai 25 ans. Mais du coup, quand elle va les avoir, en fait, c'est notre cadeau commun. En fait. Du coup, bah, là, on va le fêter. Si je vous explique, c'est un séjour dans un hôtel 5 étoiles. Truc de ouf. C'est la première fois qu'on fait ça de notre vie. On n'a jamais fait ça de notre vie. Et puis même on se serait jamais payé de nous-mêmes en fait. Du coup bah en fait on a une nuit dans un hôtel. Plus spa, piscine, hammam, bref vous avez compris. Et en plus dans un casino aussi, enfin c'est avec un casino. Et ça qu'on pourra pas vous le filmer. Tu t'emballes. Littéralement là. T'es un zinzin bah. Je me suis juste. Il est mal. En fait, il y a un goré là qui traîne. Il roule à 30. Bon, on est sous la neige. On est sous la neige. Non, mais la neige, 30. Il roule à 30. Alors que, bon, quand même. Il nous gavait depuis tout à l'heure. Il avançait pas. Du coup, tu fais le zinzin. Non, mais dans ce cas-là, on va jamais arriver. Oui, c'est vrai, on va jamais arriver. Bref, du coup, il y a spa, sauna, hammam, casino. On a un repas gastronomique aussi d'un chef étoilé. Plus massage de 30 minutes. Alors qu'on s'est jamais fait masser notre vie. Enfin, toi, je sais pas, mais. Enfin, on s'est déjà fait masser, t'as compris, mais oui. pas une vraie masseuse. Après, ça dépend ce qu'elle te fait, mais... C'est quand même assez loin de chez nous, donc... Mais ça va, en vrai. Ouais. Et donc, du coup, on a de la route, on a laissé les kyo à la mamie, puisqu'elle garde les petits kyo. En vrai, ils sont pas tout seuls ce week-end, et puis même, de toute façon, on serait jamais partis s'ils avaient été tout seuls. On a notre chambre à 16h, à 18h30, on doit se faire masser, et à 19h30, on a le repas gastro, donc ça va être très tendu, puisque le massage dure une demi-heure, et qu'on va avoir à peine une demi-heure pour laver après le massage. Donc, je sais pas trop comment on va s'organiser, mais bref, on vous filmera un petit peu tout ça, mais on veut aussi profiter au maximum, donc on va vous filmer en mode vite fait. Wow. Ah, ça change la sensation de ouf. On va aller à la piscine. Là, on s'apprête à aller au spa, c'est une star écrit. Piscine, hammam, spa. Spa et fitness. Fitness, c'est pas bon non. Du coup, on se prépare. Franchement, bon, à quoi ressemble la chambre, mais c'est ouf. Waouh! Waouh! Du coup, voilà, là on est dans la piscine. Magnifique. Et franchement, elle est un peu froide. Tu veux aller au sauna? Je sais pas. Après, tu peux plus retourner dans la piscine si tu veux au sauna. Ah ouais? Elle va te paraître trop froide. Ouais, c'est vrai. Allez. Même moi, la piscine, j'en ai déjà une à la maison. Je dirais hammam d'abord. Ouais. Et après, pour sauna. Bon, du coup, on a testé hammam, sauna, ouais. Jacuzzi et piscine. Et là, dans une heure, on a notre passage. Donc, on a une heure pour se détendre encore. On se posait sur le transat tranquille. Et puis, peut-être que je retournerai à la piscine moi. Oh, j'en peux plus. Oh, ça m'a donné un coup de chaud. Le hammam est à 45 degrés, le sauna est à 85. En 20-20, t'as l'impression ouais, que tu cuis comme un rôti. C'est tout cool. Ça se voit moins là tout à l'heure, mais rien. Un petit ouais, peu. Ça va. On est en train de quitter. Voilà. C'est vraiment, entre parenthèses, on n'aurait jamais fait ça tous les deux. Non, non. Non. Oh, là, on arrive sur le balcon. C'est ouf. Waouh. Waouh. C'est immense. C'est incroyable. Oufissime. Bon là on est parti pour se faire masser. Ça se voit on est épuisé mais en vrai on est détendu en fait. On a plus de rides. Genre là on va se faire masser et après on mange. Ouais, j'ai l'impression qu'on est défoncé, on vient de faire un massage. Hein. On a 3 grammes. Ouais, j'ai l'impression qu'on est défoncé. C'est la première fois que je fais un massage de ma vie. Ouais. C'était trop bien. Bon je vous dirai, je vous en dirai un peu plus. Si un jour ma masseuse tombe sur cette vidéo, oh, la qualité est dégueulasse, t'es vraiment quelqu'un. C'est vrai que les masseuses, en vrai, wow. Super professionnelles, super bien et tout. Franchement.
bien. Après, faut. Enfin, voilà, pour ceux qui sont habitués, ils vont savoir de quoi je parle. Mais pour ceux qui. Enfin, non, justement, pour ceux qui sont pas habitués, ils vont savoir de quoi je vais parler après. Parce que ça fait bizarre au début. C'est spécial, on est d'accord? Parce que du coup, t'as quelqu'un que tu connais pas qui touche vraiment tout le corps. Mais bon, bref. Parce que c'est un... Non, mais c'est vrai. Du coup, voilà, donc ça peut faire bizarre un petit peu au départ. Et voilà. Oh, j'ai l'impression d'être défoncé, j'ai la tête qui tombe. Vas-y, on va changer. Parce que là, on est en tenue. On est en string jetable. Ouais, on est en string jetable. Bon, là, on est prêt à partir au restaurant gastronomique de l'hôtel. Du coup, on y va. On a essayé quand même de se fringuer en tant que monsieur et madame. Monsieur et madame. Bon, c'est rare que vous nous voyez sur notre 31, mais on est sur notre 31. Bon, voilà, on a fait vite, enfin, genre, on a fait normal, quoi. Genre, on a fait dans le soft, on va dire. Donc voilà, on continue, on va voir si le repas est bon, en sachant que... Putain, il est mouillé mon téléphone, ça c'est la piscine. En sachant que là, on a rendez-vous à 20h et qu'il est 58, donc on va y aller. Hein, bah, parce que oui. Tu traînes, là. Oui. Wow. La dingue. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on a les crocs. En vrai, ça creuse. Piscine, marmiton, ça creuse de ouf. Ça, c'est la maison d'eau. Il y a de l'huître. Tu vas goûter. Oui, je vais goûter. Pour la mise en bouche. Pour la troisième fois. Oh, on a déjà mangé. Ouais, de ouf. Bon, là, on est en entrée. Il y a 10 plats dans le plat. Il y a. Ouais. Ça c'est des champignons et ça c'est des crevettes bleues. Alors c'est bon? Ça je pense que tu l'as pas aimé. C'est quoi? Ça c'est un champignon qui est très mou. Tu connais pas? T'as jamais goûté? Non. Mais quoi? J'ai mouru, j'en sais rien. On va goûter de toute façon. C'est une marmite. Écoutez, ouais, c'était une grosse marmite. Donc ça c'est le poisson. Alors ça peut paraître petit, mais il y a du chou, du fromage. Alors oui c'est bizarre. Enfin, il y a plein de trucs. Ah oui, il y a du fromage. Oui, il y a du fromage en dessous. Mais en fait, je suis trop fatiguée. Et c'est quoi comme fromage? C'est quoi comme poisson? C'est du filet de Saint-Pierre. Ça, par contre, j'ai pas le goût. Du filet de Saint-Pierre. Alors, dis-moi, première bouchée. Ah ouais, c'est trop bon. Ah ouais. Vous avez vu, c'est des petits plats à chaque fois. Mais on aura une viande, un poisson, un dessert et une entrée. Donc, c'est des petits plats, mais c'est plein de goût. Là, on a boudin noir, sèche. Voilà, et purée. Boudin noir et purée, je suis pas sûre du mot pour ça là. Mais. Et en vrai, non, pour l'instant, j'ai pas été déçu. Ouais, tout est bon. Tout est excellent. Et franchement, ça fait trop bizarre de manger. Genre, il y a trop de goût en fait dans les plats. Ouais. C'est Vénus, mais ça fait plaisir. Bon, goûte. Vas-y, toi, goûte. Je sais pas ce que c'est en fait. Ils m'ont dit c'est de la volaille. C'est de la volaille. Qu'est-ce que je pense que c'est? Moi, je rêve de devoir manger le boudin. Je sais pas si c'est pas du volaille, je sais pas si c'est pas du poulet. Plutôt que de la dinde. Ah non, t'as raison, ça doit être de la dinde. Alors? Elle est bonne, mais c'est de la dinde. Ok. Un peu. Ça fait penser au repas Noël. Ok. Et la purée, mon cœur? Il va me attention, détester. C'est vérité, dans un 4-3-2, donc je goûte. Il déteste la purée plus que tout, genre. Alors pas mon truc préféré, mais c'est bon. Non, ah. En vrai, elle est bonne. Bon, ouais, ça va. Je vais la goûter, je vais te dire. Ah oui, il y a quelque chose quand même. Bon, on est fatigué, on est explosé. Mais ça, on a entendu le dessert. Il y a praliné, crème anglaise, fève tonka. On va tout casser. J'en sais, on va tout casser, c'est horrible. On est trop fatigué. Ouais, je suis pas ressaisie. Attends, je mange comme un goré. C'est-à-dire que là, on est sur un pré-dessert. C'est-à-dire que c'est pas le dessert, mais c'est le dessert. Non, c'est pas le dessert, c'est le pré-dessert. T'es contente là. Non, mais attends, noisette. Il y a trop de trucs. Et à la fin du repas, la personne, elle nous a dit qu'elle nous donnerait le menu parce qu'en fait, c'était un repas à l'aveugle. Enfin, un repas à l'aveugle. On vous expliquera, mais en gros, on a eu chaque plat et elle nous expliquait à chaque fois, mais c'était genre, on n'a pas eu à choisir en gros. Et du coup, à la fin du repas, on aura tout le menu et comme ça, on pourra avoir le détail de ce qu'on a mangé vraiment. Voilà, ça c'est de la feuille d'or. C'est de l'or ? Ça goûte du papier, c'est bon. Bon allez, vas-y, go. Tu veux du quoi ? Oh, le dessert, c'est pour te finir. Oh, il y a ça, il y a des mousses, elle est pleine. Il y a ça,
Et c'est incroyable. C'est magnifique. Attendez, c'est pas fini. Il y a ça, il y a deux nougats. Elle nous a dit quoi, vu que vous n'avez pas assez mangé? Il y a ça, il y a ça. En sachant qu'on a eu, on a eu deux pré-mises en bouche. Trois? Ah oui, deux pré-mises en bouche. Une pré-mise en bouche, deux pré-mises en bouche, mise en bouche, entrée, entrée. Je crois qu'on a une pré-entrée en plus. Je crois. Entrée, poisson, bœuf. Viande. Attends, poisson, viande, pré-dessert, et là, dessert, mais dessert finish. Dessert de zinzin, des macarons framboises et macarons au chocolat, les nougats. Là, il y a un truc à pistache. Alors, c'est bon ou quoi? Il y a quelqu'un. Ah ouais? Je vais coller. La chambre est juste ouf. Waouh. Et là encore, on est la nuit, au moment où je vous tourne ce passage. Regardez la taille du lit. C'est aberrant. Genre, le lit. Je sens que là, il y a un petit canapé, il y a des grands rideaux. On vient de se réveiller. Oh, ça m'a fait... On est fait comme des rats. Bon, on a trop bien dormi, il est 9h et j'ai l'impression d'être vraiment bien reposé, tu vois. Ouais, on a dormi d'une traite et franchement, c'est tellement rare. Déjà d'une, avec les chiens qui nous réveillent toutes les 5 minutes à la maison. Et en plus, le matelas. Ah, le matelas, c'était quelqu'un. Ah, le matelas, c'était trop quelqu'un, vraiment. Bon, là on va au petit déj. Ouais, on va au petit déj. Je vous jure, j'ai l'impression que c'est la vie de palais, c'est ça qui est Cody. C'est ouf. Bon, bébé, c'était comment hier? Enfin, c'était comment ta nuit? C'était comment ma nuit? Oui. T'es une folle. Allez, viens, on va au petit déj. J'ai faim. Waouh. Oh, le petit déj. Je sais pas ce qu'on se prend, hein. Je sais pas. Un petit café. Hein. Oh, le café. Oh, oh, du jus d'orange. Attends, c'est quoi? Pomme, banane, jus de pomme. Détox fruits rouges. Oh, bah tiens, on va prendre un petit détox fruits rouges. Oh là 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 là. Jus de pomme. Un petit peu de charcuterie, un petit peu de fromage. Orange. Pain au chocolat. Petit café. Mmh. Et moi, yaourt châté, du lait chaud, des céréales, avec des amandes et tout, pain au chocolat, croissant, petit bout de fromage, trop cool, ouais, et des trucs rouges. Ça, c'est du Nutella. Allez, bon appétit. Bon appétit. Et ça sera une deuxième fois, voilà, après du saumon. Ça, c'est du fruit de la passion, ouais. Du pain, du beurre, une fraise, ouais. Du fromage. Et moi, je me suis servi pommes de terre, tomates. Champignons, et c'est excellent. Plus encore un pain au chocolat. Et mon jus de pomme, il est excellent. Exactement. Regardez-moi ça. Le cadre. Mon cœur. Oui. J'ai des choses pour toi. Fais voir. Donc là, il y a la piscine et là, il y a le restaurant où on a mangé hier. Donc c'est vraiment magnifique. Je vous montrerai d'un peu plus loin, mais... C'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, ce cadre. Il y a 2,5 hectares de jardin privatif. Ça, c'est tout le jardin de l'hôtel. C'est jardin privé. Regardez, il n'y a personne. C'est super bien entretenu, super calme. Ouais, même le bruit et tout, ça fait vraiment... Bon, on va explorer un petit peu. Et puis voilà. Bon, alors là, regardez un petit peu quand même. Regardez derrière moi, c'est magnifique. Franchement, c'est quelque chose, c'est... Regardez, regarde l'hôtel. Là. Ça va faire une fois, franchement. Voilà. Pour ceux qui se demandent, on n'a même pas dit où c'était, mais c'est à Charbonnière. Ouais. Et franchement, c'est incroyable. Bon, allez, go. Bon. Voilà la chambre. On va quand même vous montrer un petit peu la chambre. Là, on a toute l'entrée. C'est immense. La chambre doit faire au moins 40 mètres carrés. C'est une chambre de luxe. Donc, regardez la salle de bain. Regardez juste la salle de bain. C'est vrai qu'elle est incroyable. Voilà, ça vient. Je sais pas si tu peux filmer en 0,5, on dirait pas comme ça, mais elle est immense, mais vraiment. C'est un truc de ouf. Donc là, petite baignoire, petite douche. Merci. Bonsoir. Franchement, incroyable. Ensuite. La petite baignoire. Là, il y a les serviettes, le grand miroir. Ensuite, ah oui, et juste, là, il y a plein de rangements, là. C'est n'importe quoi. Mais c'est vrai. C'est la porte secrète. C'est la porte secrète et il n'y a pas de clé. On ne sait pas. Il y a une petite coiffeuse au cas où. Au cas où. Non, regarde, elle est vraiment classe. C'est
C'est vrai qu'elle est incroyable. Petite coiffeuse. Oh là là. Là, il y a tous les rangements à l'entrée. Un dressing, grand dressing. Là, il y en a un autre ici. En vrai, c'est bien, c'est juste ce qu'il faut. C'est le minimum. Oui, bon. Elle forme aussitôt le lit. Ouais, voilà, qu'on vous a montré. Bon, on vous filme tout ça au moment où on part. Mais on vous a filmé des petits morceaux, notamment du lit quand on est arrivé. N'importe quoi. Genre vraiment littéralement, c'était ouf. Et il y a 5 coussins, on a essayé de les remettre à peu près pareil. Mais écoutez, on n'est pas très doués. Là, petit canapé, c'est incroyable. Cool. Franchement, on s'est calé hier dessus, après le restaurant. Il est fou. Il est fou. Et grande terrasse aussi, regarde, deux jours. Comment ouais. Ça rend. C'est vrai qu'hier, je crois, on l'a filmé un peu de nuit. Enfin, il faisait pas très beau. En plus, il fait soleil. Bon, on est sorti, on allait faire le tour de l'hôtel. Et c'était ouf. Regarde, je sais pas si ça s'entend dans la vidéo, mais on entend la cascade. Moi, je l'entends, ouais. Avec les pipites qui chantent. Oh, c'est ouf ici. Bon, bien sûr, avant de partir, on va retourner une dernière fois à la piscine de l'hôtel. Ouais, clairement. Dedans, il y a un mini frigo avec des boissons comme ça. À tout moment aussi, ce qu'on n'a pas dit. Ah oui. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en 24-24, à tout moment, à 4h du mat, tu prends une entrecôte, quoi. T'as envie d'une petite entrecôte, sauce au poivre, frites et salade. Bon, voilà, t'as plein de trucs, t'as des burgers, du fromage, la gourmandise, t'as de la salade. Mais hier, on voulait s'arrêter au bar, c'était pas ouvert. Quand on est rentré du casino. C'est vrai, on est rentré du casino hier. Bon, on n'a pas tout filmé. Vous avez vu quand même, on a filmé quand même pas mal de choses, je pense. C'est pas mal. Parce que ce qu'on a dit avec Vava, c'était qu'on voulait se détendre. Et au final, on s'est bien détendu, on n'a pas trop pensé vidéo et tout. Juste, c'est vrai qu'hier, vu qu'on allait au casino, bah, de toute façon, ça, on pouvait pas vous filmer au casino, mais. Vu qu'on allait au casino, on est rentré et il était 1h30 je crois. Et on a dit ouais, on va monter un moment, se poser. Et ensuite, on descendra au bar, tu vois. Genre, ça aurait été stylé, sauf que le bar de l'hôtel était fermé. Alors que normalement, il était censé être ouvert 24-24. Donc, deg. Ouais. On aurait bien retourné le bar. On n'a pas pu carton. J'avoue. Juste ça, incroyable aussi. Les tableaux là, la taille. En vrai, vous vous rendez pas compte en vidéo, mais incroyable. Et... la bouteille Vittel à 6 euros que Roro a ouverte. Elle est où? Elle est dans mon sac à main. Je suis morte. Tu l'as prise du coup? Bah oui, il est là-bas derrière la valise. T'es perdu ou quoi là? Parce que hier, quand on est arrivé, on avait grave soif et tout. Il y avait une bouteille Vittel qui était posée là. Et ce débile. Ah oui, tu l'as vraiment. Il l'a ouvert. Bah, on la paye, on la prend. Ah bon? Bah oui, zinzin. Bref, du coup, on est triste. On a des têtes. Oh, de... Non, mais bam, tu peux ranger tout ce que tu veux là-dedans. Moi, non, il y a de la route, il y a de la routière. Ouais. En plus, on s'est levé tôt ce matin pour aller prendre le petit déj et tout. En tout cas, c'était cool. Mais bon, on débriefera plus tard, mon cœur. Oui, mais je suis triste. C'était trop court, mon cœur. En fait, on est aveuglé. Ah, le soleil. Ce débriefing. C'était archi bien. Genre, vraiment, franchement, expérience à faire. Le seul truc, c'est que, on va vous expliquer un peu, mais... on n'est pas de ce milieu-là. Déjà, en sachant expérience à faire, mais parce que déjà, c'est la première fois en 25 ans de notre vie qu'on fait ça. Après, il faut savoir une chose, je tiens à dire une chose, c'est que si on n'aurait pas eu ça en cadeau, enfin si on n'aurait pas offert, on ne serait jamais allé dans ce type d'endroit. Ouais. Parce que forcément, là, c'est un hôtel de luxe, ça coûte très très cher. Et genre, on n'aurait jamais mis notre argent là-dedans, enfin, t'as compris. En fait, nous, on savait qu'on allait avoir un week-end un peu insolite en cadeau. On avait pensé plus à un truc style dans une bulle, tu vois. Un truc insolite, ouais. Ouais, voilà, sauf que du coup, c'était un truc dans un hôtel 5 étoiles. Vraiment, c'était dinguerie, franchement, c'était à faire. Désolé d'avance si je regarde pas trop la caméra, mais. On est aveuglé, ouais, on a choisi le meilleur cadrage possible. Ah, au moins, il fait soleil, on s'en plaint pas. C'est vrai. Déjà. Pour tout vous dire, bah, ça fait bizarre, forcément. Déjà, moi, je vous avais dit que je vous raconterais au niveau du massage. Je sais pas s'il y en a parmi d'entre vous qui se sont déjà fait masser, mais quand tu te fais masser. Et ben, genre, là c'était vraiment massage intégral. On pouvait jouer soit devant, soit derrière. Voilà. Mais là, limite, en fait, genre, la masseuse, elle allait entre tes jambes et tout. Enfin. Non, mais c'est vrai, faut dire ce qui est. Du coup, pour ceux qui sont pas à l'aise avec leur corps, bah c'est. Enfin, moi je suis à l'aise, tu vois, mais. Genre, c'est vrai que c'est bizarre. Tu quelqu'un que tu connais pas. Ouais, c'est bizarre. Je pense, toi, c'est un peu pareil, non? Bah, moi c'était une femme, donc ça me dérangeait pas. Mais ça aurait été un homme. Oh, ça aurait été un homme, ça m'aurait dérangé. Alors moi aussi, du coup, c'était une femme. Et du coup, bah forcément, ça fait bizarre et tout. Et il faut le temps d'être à l'aise. Après, le massage, il dure quand même assez longtemps pour que tu sois à l'aise. Et c'était vraiment bien. Ouais. Après, bah voilà, je ferais pas ça tous les jours. Non. Puis surtout que... Alors, juste un petit défaut sur le massage. Mais en vrai, c'est pas de leur faute.
au début, avant qu'on se fasse masser, ils nous ont demandé si on voulait se faire masser à des endroits particuliers, genre que le dos, que les jambes, que machin, si on avait des contre-indications. Et en fait, nous, on a dit non, bah, pas spécialement, faites votre life, quoi. Sauf qu'en fait, on aurait dû dire que niveau pied, il vaut mieux pas y toucher. Parce que moi, personnellement, je suis archi chatouilleuse et tout. Enfin, vraiment, j'étais en mode pendant tout le massage. Et bref, c'était un peu bizarre. Mais après, quand ils sont passés au dos, au crâne, c'était incroyable. Genre vraiment. Et sinon, après le massage, on était complètement défoncés. Genre vraiment, littéralement. Pendant le repas. Après, il y a le resto. Ouais, il y a le resto. Et aussi, il faut savoir une chose, c'est que la chambre était très bien. Le resto aussi. Mmh. En fait, tout était parfait. Genre nickel. Mais on l'a dit, on s'est fait la remarque après le resto, ça fait, enfin c'est beaucoup en fait, c'est trop. C'est trop, ouais. Genre limite t'as genre 5 personnes juste pour toi, genre qui sont vraiment genre là à tes petits soins, quoi. Petit chevet, ouais. On s'est mis à l'intérieur parce que du coup il y avait trop de soleil. Bon maintenant contre jour, quoi que ça va encore. Ouais. Ça va. C'est ce que je disais, c'est que ça fait quand même beaucoup beaucoup beaucoup. Et voilà, je sais pas, t'en as pensé quoi toi? Moi sur 10 je mettrais 9. Pas parce que c'était pas bien, il manquait quelque chose ou quoi, mais juste parce que, bah, comme on l'a dit au début, c'était pas notre milieu en fait. Genre, enfin... C'est pas nous, genre, on se serait peut-être senti mieux dans un endroit un peu plus humain. Ouais, plus humain, parce que là vraiment c'était genre robot, quoi, tu vois. Genre par exemple, on finissait notre verre d'eau, il venait directement nous servir, alors que j'avais envie de leur dire, mais mon frère, je sais me servir de l'eau, tu vois. On se tapait des barres pendant le repas. Mais c'était sympa, ouais. C'est une expérience, comme j'ai dit aussi, c'est que bah, on l'a jamais fait en 25 ans. Je pense pas qu'on le refera de sitôt non plus, parce que bah. Voilà. Dites-moi si vous êtes déjà parti dans un hôtel de luxe comme ça et faire un vraiment repas full gastronomique. Alors c'est vrai que repas gastronomique, il y a beaucoup de monde qui teste l'expérience, mais genre la repas plus hôtel, ouais. C'est la première fois qu'on le fait. Mais en vrai, l'hôtel, franchement, on se sentait plutôt à l'aise. C'est juste le resto. Surtout, on s'est dit, ouais, on n'avait pas notre place. Sachant qu'on a mangé pendant 2 heures, vraiment, ils nous ont gavés comme des oies. Mais c'était hyper ouf parce que vraiment, on s'est tapé des larmes pendant tout le repas. Parce qu'en gros, ils amènent des assiettes genre énormes comme ça, une cloche énorme comme ça et un petit truc comme ça en dessous quand ils ouvrent. Et vraiment, on s'est exposé de rire. C'est franchement, c'était archi bon, archi drôle et tout. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. N'hésitez pas à nous donner vos retours par rapport à cette vidéo. On n'a pas pu tout filmer. Enfin, je crois qu'on a filmé presque la plupart. Ouais, sauf le casino, parce que du coup, après, on sauf le casino, mais c'est interdit du coup le casino. On s'est fait plumer. On s'est fait plumer au casino, mais non, ça c'est qu'un détail. On a à peu près tout filmé. Enfin, je sais pas si vraiment, vraiment on aurait pu plus filmer. Et puis c'est surtout, je tiens à le dire aussi, c'est qu'on a essayé de profiter un maximum. Donc on a essayé de filmer aussi, sans se prendre la tête à se dire quand on va sortir cette vidéo. Parce que là, bah, là on se retrouve une semaine plus tard. Deux semaines plus tard. Ouais. Ouais, 2 semaines plus tard. Oh, c'est passé vite, on est retombé. Du coup, voilà, on a essayé de filmer un maximum. S'il manque des choses, non, je pense pas qu'il manque des non, choses. Non, c'est juste qu'on n'a pas voulu filmer spécialement parce que bah, on a envie de profiter à fond. Et voilà. Belle phrase de Mounette, ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.